On est à Cham, il fait beau, on se prépare pour la petite course annuelle du tour du Mont Blanc, tour de la petite montagne. Le plan nutrition, qu'est-ce qu'on va prendre? À peu près, après on adapte en fonction de la course, des ressentis. Nutrition Calculator, une version encore plus personnalisée par l'équipe de NAC. Là, on a le plan de tous les ravitaillements avec ce qu'on doit prendre sur chaque ravito. Il prévoit tout, donc j'ai un petit sac par ravito et je lui tends le sac le moment venu en fait. Première UTMB 2004. Cette année, c'est mes 20 ans de la première participation à UTMB. J'espère en tout cas faire mieux qu'en 2004. Et en 2005, et en 2010, et en 2012. Normalement, il y aura nos deux filles, nos deux neveux, un bon groupe. Donc on est lundi, la course est vendredi. Il y a pas mal de choses à faire avant la course. C'est une course qui met la pression, aussi bien pour le coureur que pour l'assistance. Ouais, la base, c'est calculer les temps de passage. Bah, déjà, pour avoir une estimation pour l'assistance, pour préparer un peu les apports qu'on va avoir besoin entre chaque point de ravitaillement. Avec un peu de marge, quoi. On sait jamais. Moi, j'ai mis longtemps, en fait, à trouver... trouver ma diététique de course et puis je suis resté longtemps en fait sur les gels et eaux. J'avais jamais vraiment calculé ce qu'il me fallait. La proposition de NAC était aussi d'avoir un suivi nutritionnel. Ils sont quand même très orientés sur l'ultra. Rester focus et un petit peu enfermé aussi. Concentré, peu bavard comme d'habitude. On sait que de toute manière il nous entend et ça nous fait du bien. Pas trop mal, il est bien remonté là. Quand t'as plein de personnes qui te répètent tous les 10 mètres, ouais, t'es une inspiration et tout ça, bah, tu peux pas lâcher. C'est là que je commence à avoir mal pour lui. Mélange de drink mix, purée et gel. On est tous fiers de toi. Allez, lâche rien. Je vais retrouver un petit gain d'énergie. C'est toujours magique quand on retrouve des moments d'émotion qui sont assez intenses. C'est une belle histoire de famille.